Je sais pas ce que c'est ce Donc il y a beaucoup de corbeaux ici, c'est ça? C'est ce que je pensais. Je suis une corbeille là. Non, non, ça, eux c'est des corbeaux. Il y a encore en dessous. Titre. C'est le président. Oui. Je suis prêt. Bah, quand tu veux. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richoult et vous écoutez le 4e épisode hors saison de La Mémoire Rangée et le dernier. Oh. Après, elle sera rangée, après c'est ça? C'est ça. Cet épisode est un peu particulier car nous enregistrons en public lors de Angers Geek Fest. Bonjour Angers Geek Fest. Mais qu'est-ce que c'est La Mémoire Rangée? C'est un feuilleton de 10 épisodes dispo sur internet. C'est un SOP en podcast. Donc un SOPcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Aujourd'hui en comédien, nous avons Anso. Bonjour Anso. Ouais. Nous avons aussi Simon, le retour de Simon. Salut tout le monde. Et nous avons pour la première fois en public à Angers Geek Fest, Boris. Bonjour Boris. Est-ce que tu peux dire bonjour dans le micro pour les auditeurs qui sont pas là? Bonjour dans le micro. Donc la présentation est faite, on a donné la voix, excusez-moi. Il manque une présentation. Je vais présenter après. Petite nouveauté, on a un compte Instagram, n'hésitez pas. Alors les gens dans le public, gardez votre téléphone près de vous, puisque si vous le savez, il y a un tirage au sort pour gagner un jeu Nalbuck. Je sais plus où il est, il est là-bas. Il y aura un code QR à scanner, donc gardez votre portable près vous, d'accord? Et là, vous avez le code QR pour le compte Instagram de La Mémoire Rangée. Derrière Thorac. Ce tirage au sort est possible grâce à la Guilde des Joueurs. C'est un magasin de jeux en tout genre. Il propose même des locations de jeux. C'est au 46 rue du Mail à Angers. Grâce à eux, et ben, à partir du 3 au 16 juin, vous avez droit à 10% de réduction si vous y allez et que vous leur dites un code que j'ai marqué qui est... Non. Mince. Ça doit être chaussette ou un truc comme non, ça. Non, non. C'est en 26 Moi, j'aurais chiffres. Dit poulet. Le code promo, tout simplement, est très compliqué, à savoir la mémoire à ranger. Voilà. Donc, c'est que du 3 au 16 juin. Je trouve que chaussettes, c'était mieux. Non. Quoi? Vous avez le tirage au sort ici avec le code QR, n'hésitez pas à scanner. Alors là, normalement, dans le public, oui, il y en a, ça commence, ok. Et si vous le voyez pas, je vous donne le lien. C'est javras.fr/TAS pour tirage au sort. Qu'est-ce que c'est bien fait? Normalement, il va arriver en haut aussi, vous inquiétez pas. Une petite explication des slides pour vous et pour les acteurs. Alors les acteurs, on tourne la tête. En haut, vous avez indiqué où est-ce que vous êtes dans les micros. Donc Poc, tu es sur le 4. Non, c'est marqué 3. Non, t'es au 4. Non, c'est au 4. Alors, le 1, c'est Boris. Le 2, c'est Simon. En fait, ouais, ça. Ah la vache, c'est déjà compliqué. En gros, si vous êtes en noir... vous ne parlez pas, si vous êtes coloré comme moi, vous parlez, tout simplement. Alors pourquoi là c'est marqué 3? Non. Non. Ça va être très long. Et pour les auditeurs, vous avez une indication en haut. Quand il y a marqué vous pouvez participer, c'est que vous pouvez participer. D'accord?
Vous êtes bons. En même temps, il y a des anciens. On remercie Angers Geekfest. Sans eux, on n'aurait pas pu faire cet épisode. Donc, merci beaucoup à Mallory de nous avoir invités et à toute l'organisation d'Angers Geekfest. Et en guest, nous avons Pen of Chaos. Ouais. C'était laborieux. Mais en même temps, je suis un peu stressé. Il y a du monde. Et petite parenthèse pour moi, bah, t'as fait partie des Saga MP3 qui m'ont donné envie de faire de la Saga MP3. Donc ça met un peu la pression. Il y a des bières ? Non, après, après. Je t'en dois une en plus, mais pas à 10h. C'est vrai, c'est... après ça va jaser. Ok, je vais distribuer les personnages. Anso, voici ton personnage. Normalement, il y a Thora qui te donne ton personnage. Anso et Annabelline Kedin. Annabelline est une jeune femme débrouillarde et motivée. Elle fume et elle trouve ça cool. Elle a récemment rejoint le commissariat d'Angers. Elle a une détermination à toute épreuve. Elle est passionnée par son travail d'inspectrice et aspire à monter dans les rangs. Cependant, malgré sa confiance professionnelle, Annabelline garde une facette personnelle plus secrète. Caractère, elle fume régulièrement une cigarette, elle parle vite et quand elle s'énerve... elle parle vite quand elle s'énerve ou quand elle a une théorie. Tout à fait. Rappel des règles, ne pas... Non. Ne lis pas les règles. Ils ne savent pas. Nous avons Simon. Et Simon, voici ton personnage. Et je suis Simonin Poche. Oui. Quelle surprise. Ah, quelle surprise. Gardien de la paix, il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a très souvent la poisse. Voilà maintenant un an qu'il recherche Mélodine, il est à bout du rouleau. Caractère, dire oui autant que possible, toujours voir les choses du bon côté, même quand il lui tombe un truc dessus. Tout à fait. C'est vrai que ça fait un an qu'on t'a pas entendu dans le podcast. Eh oui. Pile un an. Pile un an, c'est c'était, vrai. C'était ici. C'était ici. Mélodine. Boris, te revoilà, voici ton personnage. Mon Dieu, mais quel est-il? Je suis Bobby Michou. Ancien restaurateur boucher d'Angers, il était respecté par ses pairs. Il gérait une partie de l'organisation secrète et meurtrière nommée l'Ordre des Corvidés et a essayé de contrôler la ville d'Angers avec une attaque de chats zombies. Cela fait maintenant pile un an qu'il est détenu dans la maison d'arrêt d'Angers. Son procès n'a pas encore été traité. Tout à fait. Ton caractère ? Fier et imposant. Oui. C'est un personnage de composition, normalement. Tout à fait, tout à fait. Et Pen of Chaos, John, je vais te donner ton personnage. Bah je t'attends. Vas-y. Tu seras Brigitte. Et tu as, okay. Tu as une illustration aussi derrière de ton personnage. Wow. Merde, c'est moi. Jean Locke est le directeur de la maison d'arrêt d'Angers. C'est un homme énergique et plein de bonnes idées. Ah oui, c'est moi. Mais avec peu de moyens. C'est un professionnel de l'amateurisme. Il adore les jeux de rôle et cite souvent son grand-père, bien qu'il ne l'ait jamais connu. Humeur changeante du tout au tout, il essaye toujours d'attirer l'attention sur lui en faisant n'importe quoi. C'est pas du tout moi. Du coup, tes instruments sont bien tombés. Il en manque peut-être. Ça tombe toujours bien, un instrument. C'est comme les pieds de Chuck Norris. En figuration, normalement, on devait avoir Foxy, mais elle est malade, donc on lui fait des gros bisous si elle nous bisous, écoute. Enfin, pas trop, puisqu'elle est malade, Richard. Oui. On lui fait des bisous sur son masque sanitaire. Et on a Thorak, qui est mon éternel figurant, qui doit être derrière moi. Oui, c'est ça. Bravo. Et je vais lancer la première scène. Et dans cette scène, je vais avoir besoin de Simon et de Anso. Alors, je fais une petite parenthèse. Non. Surtout pas, t'es pas encore dedans. Non, c'était une musique de suspense. Ah, mais j'en ai... C'est pas lui, pour c'est le coup, son instrument. Je te l'ai pas dit, John, mais en gros, on a des codes de son. Quand tu as ce son-là, ça veut dire que je vais te donner une indication qu'il faut finir ta phrase et puis voilà. D'accord ? Si tu entends ce bruitage-là... Non. C'était pas celui-là. Si tu entends ce bruitage-là, ça veut dire que tu as fait une erreur. Je t'explique quelle est l'erreur et on rembobine. Voilà. D'accord ? C'est parti pour la première scène du dernier épisode. Ah oui, j'ai besoin de Thorak aussi derrière moi. Merci. «
Simonin est dans son bureau. Il est en train de faire tous les numéros de téléphone d'Angers référencés par son service. Il dérange très rapidement mais mollement des gens lambda en leur demandant s'ils ont pas vu récemment une jeune femme du nom de Mélodine. Il tente de la décrire mais c'est le strict minimum niveau détail. Il est épuisé, ça fait maintenant un an qu'il la recherche. Alors, on va commencer. SPA. Ouais. Oui, allô, SPA d'Angers ? Oui, bonjour, je cherche une femme avec une sardine. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me la décrire ? La sardine, elle est petite, elle s'appelle Jacqueline. Et je la cherche depuis un an maintenant. Et je cherche aussi sa propriétaire. D'accord, alors nous, vous savez, ici, on a surtout des chats et des chiens. On n'a pas beaucoup de poissons. Ah. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider. Désolé de vous avoir dérangé. Après. Tout d'un coup, il reçoit un appel. Ah, oui. Allô ? Ah, non. On lui indique que sa demande pour aller voir Bobby Michou à la maison d'arrêt a été validée. Il comprend pas, il a jamais fait cette demande. Il veut plus revoir ce fou. Oui, monsieur Simonin ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, maison d'arrêt d'Angers. Oui. Écoutez, ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, on a pris votre mail en urgence. Vous pouvez voir monsieur Bobby Michou cet après-midi. Y a pas de souci. Comment ça ? Le directeur sera là, il va vous encadrer, il sera là. C'est bien gentil, mais pourquoi ? Pourquoi je dois le voir ? Je sais pas, relisez votre mail, c'est vous qui m'avez envoyé un mail, vous m'avez demandé, voilà, j'ai besoin de voir Bobby Michou pour une affaire très importante. Après mûre réflexion, je pense que c'est bon, j'ai pas envie de le voir, je pense que je vais laisser ma place. D'accord, écoutez, moi dans tous les cas, le créneau est ouvert, d'accord ? Écoutez, allez, merci. Bonne journée. Oui, au revoir. Avant qu'il ne raccroche, Annabelline entre dans le bureau de Simonin. Elle a écouté toute la conversation et lui indique que c'est elle qui a fait la demande. Il faut aller voir Bobby Michou. Elle lui somme de raccrocher. Bon, il a déjà raccroché. Simonin comprend qu'elle a utilisé son PC pour faire cette demande de visite. Il exige des explications. Elle invente une excuse bidon et essaye même de négocier avec lui et lui propose de l'aider sur n'importe quelle affaire. Simonin. Oui, Annabelline. J'ai tout entendu. Ah ? J'ai pas compris. c'est toi en fait qui a fait la demande. Oui, je sais. Mais pourquoi tu mets la musique ? Parce que c'est ton thème. Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà, hein. Simonin ! Oui. J'ai tout entendu. T'as entendu quoi ? Pourquoi est-ce que tu veux pas y aller ? Il faut absolument y aller, c'est important. Oui. Il faut aller voir Bobby Michou. Mais j'ai jamais fait la demande. Mais moi, non, c'est moi qui l'ai fait sur ton ordinateur. C'est-à-dire que t'as utilisé mon ordinateur sans ma permission ? Oui. Et pourquoi ? Non, mais parce que tu vois, tu te souviens tu te souviens les chats zombies qui avaient mangé les sardines de la poissonnière ? Oui. Oui, et ben en fait, on a retrouvé une écaille devant la boutique de Bobby Michou, alors du coup, il faut qu'on aille lui parler. D'accord, et une écaille de quelle taille ? Grande, comme ça. Une écaille de sardines ? Non. Non, ok, bon bah écoute. Faut que t'arrêtes avec les sardines, Simona. Ouais, je sais, mais... Mélodine ? Mélodine, celle que j'ai vue la dernière fois ? T'as vu Mélodine ? Oui. Où ? Bah à Rouen. À Rouen ? Oui. Simonin n'accepte pas, il est catégorique. Il lui dit que Bobby Michou est sûrement la dernière personne qu'il veut voir. Ce type a tué un de ses amis. Il dresse le portrait de ce psychopathe comme étant un monstre qui mange des humains. Alors, je suis désolé, mais c'est pas possible. Je ne peux pas aller voir cet homme. Il est en fait simplement méchant. Il a tué une amie. Il l'a en fait simplement tué. Il l'a laissé pour morte au milieu du caniveau. Et je me sens pas bien avec ces gens qui sont grands, imposants, sans cheveux, le regard vide,
Non, pour moi, je peux pas. Je sais pas où me mettre quand ils sont là et je me sens pas de l'interroger. Bah c'est pas grave, si moi je l'interrogerai, tu te mettras derrière moi, comme ça tu sais où te mettre et. Non. Annabelline lui redemande une nouvelle fois. Simona répète plusieurs fois non avec difficulté. Il a pas l'habitude de refuser. Annabelline fait mine de pleurer. Elle lâche le fait que c'est personnel et qu'elle a peur pour des gens qu'elle aime sans plus donner de détails. Simona finit par craquer. Dire oui lui fait du bien. Allez, s'il te plaît. Je peux pas. Allez, s'il te plaît. Non. Juste c'est... pour moi, pour ta partenaire préférée. Non. Et ta seule partenaire. Bah écoute, Annabelle, c'est pas pour toi, mais c'est pas possible. Non. Simona, s'il te plaît, j'ai besoin d'y aller. C'est parce que c'est personnel. Bon, d'accord. Allez, oui. C'est bon, on va tu y aller. Tu vas m'aider à protéger les gens que j'aime. Oui, je vais t'aider, on y va. Merci, c'est bien parce que tu me demandes. Hein. Merci, hein Simona, merci. Merci, c'est gentil. Ok, est-ce que John, tu vois à peu près l'exercice maintenant? Non. non, mais ça va. Ouais. Ok, d'accord. Bah, j'espère que ça va, puisque tu es dans la prochaine scène. Je vais avoir besoin de tous les acteurs directement. Oui. Non, pas Thorac. C'est tombé, on est non. là. Non, on a dit acteur. Mais arrêtez, vous savez que je l'aime en plus. Allez, on y retourne. La porte métallique de la maison d'arrêt s'ouvre. Simona et Annabelline sont accueillies par le directeur. Il s'introduit avec élégance et indique que sa présence est obligatoire pour le cas de Bobby Michou, si sûrement le plus grand psychopathe qu'ils ont entre ces murs. Les deux autres se présentent et essayent de se montrer plus légitimes l'un que l'autre. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez rendez-vous ? Oui, avec Bobby Michou. Vous venez voir Bobby Michou ? Absolument. Oui, alors, ces derniers temps, il est un peu bizarre. Bon, après, c'est un psychopathe, mais... Là, la semaine dernière, lundi, il a dit qu'il voulait faire une tour Eiffel grandeur nature avec des capsules de bière. Et puis, la semaine d'avant, il voulait faire du macramé avec des queues de loutre. Moi, à votre place, je prendrais quand même mes distances. On va garder notre distance, merci. Mais je m'appelle Annabelle Kellin, je suis l'inspectrice de la maison de police de Angers. Et Simona Poiche, inspecteur en chef, responsable de Annabelle. Non, c'est moi la responsable en chef, il vous dit des bêtises. Oui, bon, vous êtes entraîné aux armes de toute façon. Absolument. Combat au corps à corps. Et sans les armes et sans les mains. Ramper dans les tranchées. Oui. Tout ça. Absolument. Ok, vous avez fait le Vietnam ? De loin. Moi j'ai fait l'Afghanistan. Ah oui, à la télévision ? Non, dedans. Ah, très bien. De la télévision. Vous allez en avoir besoin. Ok. On va traverser le couloir B8. Ok. Et là, il est très probable qu'il ne se passe rien. Ok. Effectivement, ils avancent dans un grand couloir donnant sur plusieurs cellules. Annabelline et Simona réagissent sur la crasse et l'état déplorable des lieux. Le directeur les ignore. Il s'arrête et demande ainsi. Le directeur les ignore. Il s'arrête et demande à Simona ainsi qu'à Annabelline de lui donner leurs armes et leurs portables. Il les rassure en indiquant que la prison est bien sécurisée. Annabelline hésite, Simona reste positif, les règles c'est les règles. Le directeur récupère les objets, puis leur demande d'attendre ici, le temps qu'un gardien vienne les accompagner. Oui, alors à partir de cet endroit, il va falloir me donner vos armes. C'est pour ça que j'ai demandé si vous étiez spécialiste au corps à corps, hein, parce que voilà, quand même, la prison est sécurisée, mais on ne sait jamais. Elle est sécurisée, mais je trouve que c'est un peu sale. Hein, qu'il y ait des morceaux de mur qui restent collés aux doigts. Oui, alors ne vous approchez pas de cette cellule. Cet homme-là est probablement en train de se masturber. Non, c'est pas vrai. Oui, non, pas par là. Voilà. Non. Ouais, ça colle un peu sous les pas quand même, c'est étonnant. Non, mais ça va, on a nettoyé il y a à peu près un mois et demi. D'accord. Et les gens, ils fument, c'est pour ça que les plafonds sont noirs ? Oui, c'est cela. D'accord. Enfin, ils fumaient dans les années 60. Mm-hmm. Ça n'a pas été nettoyé depuis, mais c'est un détail. D'accord. Donnez-moi vos armes, merci. Pourquoi ?
Bah, c'est le règlement. Bah, c'est les règles. Moi, je vous donne tout. Mon arme, mon téléphone. Oui, voilà. Donnez ça à l'enseigne Patinbert derrière. Mais du coup. Non, c'est... Ah. C'est toi qui récupères les armes et tu les emmènes. Ah, tu pars avec les armes. Okay. Mais pourquoi vous voulez nous armer nos téléphones ? Mais ce sont les règles de sécurité. Mais je peux garder mon téléphone. Le règlement, c'est le règlement. Bah, si je veux enregistrer ce que va dire Bobby Michou, j'ai besoin de mon téléphone. Avec un téléphone ? Non, on peut faire des tas de choses avec un téléphone. Bah oui, enregistrer, justement. Oui, mais vous n'allez pas garder votre téléphone, c'est le règlement. Merci. Ok. Tenez. Merci. Et vous, c'est bon ? Ok. J'ai plus rien, moi. Bien, eh bien, à partir de ce moment-là, toute la situation repose sur vous. Il faut que tu partes et que tu ailles chercher. Et tu dis, je vais chercher un gardien. Bien, allez, je vous quitte. Je vais chercher un gardien. S'il y en a qu'un qui ne dort pas. Timonin ? Oui. Ça sent bizarre quand même, cette prison. Oui, Pendant qu'ils attendent, Annabelle et Simona observent les prisonniers dans leur cellule. Ils ont tous un comportement étrange. Annabelle remarque un prisonnier étonnant. Tu m'improvises ça. Simona observe un second prisonnier. Tu m'improvises ça. Et un dernier prisonnier va les interloquer. Il les regarde et Annabelle a l'impression qu'il leur dit de s'enfuir. C'est un peu angoissant quand même, je trouve. J'avoue. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Ah oui. Bonjour. 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 C'est les cils de 3 mètres, c'est normal ? Tout à fait. D'accord. Ça vous dérange pas trop pour voir ? Non, non. D'accord. En plus, je peux passer le balai dans ma cellule comme ça. J'ai juste à cligner les yeux. Ouais, mais c'est... Enfin... C'est pour ça que... Enfin, c'est pas plus propre, du coup, votre cellule. Ah bah non, je décale tout sur le côté, et puis voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Eh bien, bonne journée. Ouais, bonne journée. Ah bah, bonne journée, moi je bouge pas. Ils sont chelous, ces gens. Ouais. Ah, Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. C'est étonnant, ça. C'est naturel, ces oreilles qui ressortent un peu. Oui, c'est de famille. Et ce teint jaunâtre ? Non, ça c'est pas de famille. Ça c'est juste moi. Et les joues rouges ? Oui, bon, bah ça va, vous allez pas me relooker non plus. C'est quand même très particulier. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça m'évoque de lointains souvenirs. Waka ! Hé, poulet ! Alors tu te calmes tout de suite, toi ? Pupiou ! Ouais, quoi ? Inspecteur Pupiou. Pourquoi Pupiou ? Hé, barrez-vous. Hein ? Barrez-vous. Pourquoi ? Cassez-vous. Pourquoi ? Je vous ai dit. Il nous a appelé Pupiou ? Inspecteur Pupiou. Mais Pupiou, ça a un rapport avec les oiseaux. Jean-Loc revient avec un costume de gardien et une matraque. Il change de façon de parler et fait comme s'il était une autre personne. Il se présente à nouveau, mais en tant que gardien cette fois-ci. Annabelle et Simona ne comprennent pas trop ce qui se passe et demandent des explications. Jean-Loc précise que c'est une question de budget. Puis le gardien demande s'ils veulent toujours voir Bobby Michou. Ils répondent que oui. Donc tu reviens, John. Bonjour, je suis John Fulgulg. il paraît que vous voulez voir Bobby Michou. Ben oui, mais vous êtes John Locke, pourquoi vous êtes... Ah, commencez pas avec ça, hein. D'accord. Non, mais bon, je vous ai dit, je suis parti chercher un gardien, les restrictions budgétaires, c'est la pause, il y a des vacances, c'est les scolaires, là, en ce moment, hein. Ah là là, c'est fonctionnaire, je vous jure. Non, je suis John Fulgulg, et puis voilà. Ok, John Fulgulg. Okay. Bonjour, John. Voilà. Bonjour, et du coup, on est là pour voir Bobby Michou. Ah, Bobby Michou, oui. Oui, ben, ça va pas être facile, hein. Ah. Je vous l'ai déjà dit, peut-être. Ah ben non, puisque c'était pas moi. Là, 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 allez, regardez, hey, vous avez vu, aujourd'hui il ne pleut pas, c'est formidable. Bien. C'est vrai. Alors, faut que je retrouve la clé et le plan, qu'est-ce que j'ai fait du plan Gardien, non, il n'y a pas de gardien. Oh. Ils arrivent devant la cellule de Bobby Michou. Jean Locke ou Jean Fulgulg. John Fulgulg. John Fulgulg
leur demande s'ils sont vraiment prêts. Il les met en garde, il a l'air d'avoir peur. Annabelle et Simona sont prêts. John Fogel ouvre la porte et les enferme avec Bobby Michou. Bien, nous sommes arrivés. Ok. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes vraiment prêts, oui, à affronter ce psychopathe, ce monstre, cette ordure, ce parasite de la société? Oui. Oui. Vous avez de bonnes raisons? Oui. Vous êtes, oui, majeur? Oui. Oui. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas. Si j'ai intégré la police, je suis forcément majeur, c'est obligatoire. Ah bon? Oui. Ah, bah dans on les m'avait règles, pas informé. Normalement, c'est ça, oui. Il faut, d'accord, avoir 18 ans et pour avoir une arme. C'est les règles. C'est, d'accord, les règles. Bah écoutez, je vais vous ouvrir la porte. Okay. Combien de temps vous avez besoin? Et à partir de quel moment je sonne l'alarme? Et à partir de quel moment j'appelle l'armée? On vous préviendra. Oui, mais si vous êtes mort. Je frapperai 3 fois sur la porte. Voilà, j'allais dire, on va se mettre d'accord sur un signal sonore. Du coup, on fera comme ça. Oui, mais pour ça, il faut que vous ayez des bras. Si vous a coupé les bras. Ça marche avec le nez aussi. Ah oui, mais c'est moins efficace, il faut t'avouer. Hein. Ouais. Bien, eh bien, je vous laisse. Tu ouvres la porte. J'allais dire au revoir. Je vais dire adieu. Non, non, on dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ouais, vous êtes optimiste. Ouais. J'aime ça. Ouais. Mais ils nous enferment là. Annabelle et Simonin sont devant Bobby. Il est méconnaissable. Il a maigri. Bobby a un regard de prédateur. Il salue Simonin et lui dit qu'il l'attendait. Puis il s'approche d'eux autant qu'il peut. Il est enchaîné. Annabelle est effrayée. Simonin n'aime pas la situation. Il se tourne vers Annabelle et lui demande de poser ses questions pour en finir au plus vite. Bonjour Simona. Bonjour. Tu as l'air d'aller bien. Je dirais pas la même chose pour toi. Tu sembles avoir un peu maigri. Non, ça va parfaitement. Je me suis trompé. Assieds-toi et pose tes questions qu'on en finisse. Annabelle, assieds-toi et pose tes questions qu'on en finisse. Annabelle se reprend, elle a la sensation qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Elle a la sensation qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Elle et Simonin se concertent et chuchotent. Ils vont débattre pour pouvoir poser chacun une question à Bobby. Le public pourra choisir une 3e question puisque je vais vous poser des questions. Bobby va répondre aux questions avec un ton très calculateur. Voici les questions que nous avons. Annabelle, tu as 3 questions possibles. La première, c'est quoi l'ordre des corvidés? La deuxième, comment on peut devenir un corbeau? La troisième, quelle est la relation entre la famille Gabory et les corvidés? Tu en choisis une là-dedans, tu me le diras après. Les 3. Non, attends, choisis qu'une. Simonin, tu as 3 questions. Où se trouve Stéphanie, la fille de Bobby Michou? Où se trouve Mélodine, ton ancienne partenaire? Où se trouve Dany, l'autre gars là? Annabelle, je te laisse poser la question à Bobby Michou. Bobby. Recule un peu, s'il te plaît, tu putes la gueule. Merci. Comment est-ce qu'on devient un corbeau? C'est pas très compliqué. Me dis pas qu'il faut juste déployer ses ailes. Ni pondre des œufs, ne t'inquiète pas. Lorsqu'une corneille fait un acte impressionnant, remarquable, eh bien, ses supérieurs peuvent lui attribuer une sorte de promotion, un petit bonus. C'est simple. Ok. Simona, ta question? Dis-moi, Bobby, où se trouve Mélodine? Ah,
Mélodine, Mélodine. Mélodine et Jacqueline. Oh, tu sais... Est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu? Est-ce que ça a une importance quelconque, peut-être, pour une personne dans cette cellule? Oui. Écoute, j'en sais rien, mais c'est pas impossible que les corps vidés se soient occupés de sa carcasse. Le public, est-ce que quelqu'un voudrait poser la question? Lève la main. Et en fait, on peut choisir une troisième question. Est-ce qu'on a un corbeau ici qui connaît le podcast? Tout à l'heure, vous avez levé la main. Moi, j'en ai vu. Ouais. T'es la première, bien. Bien, bien, bien. Tu voudrais poser quoi comme question à notre Bobby Michou? Déjà, comment tu t'appelles? Lola. Ah bah oui, Lola. Viens, 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 viens poser la question. Mesdames et messieurs, Lola vient de Suisse exprès pour aujourd'hui. Waouh. Je te laisse poser la question. Quelle est la relation de la famille Gabory avec les corps vidés? Ok, tu attends. Merci, Lola. Je suis désolé, Lola. La cloche retentit et coupe la conversation. Elle fait sursauter les policiers. Le gardien ouvre la porte et leur demande de sortir urgemment. Il leur fait comprendre qu'ils l'ont mis en retard et que c'est l'heure de la pause déjeuner. Mais c'est quel gardien? Bah le gardien John Falkner. Ah d'accord, ok. Simona trouve ça étrange cette sonnerie à cette heure. Surtout qu'il est, il est pas midi, il est 11h42. Ah mais... C'est quoi ça? Pourquoi Hey, il est toujours... Hey, ah, oui. Hey, oui. Allez, réveillez-vous là, c'est l'heure de sortir. Non, on n'a pas la réponse à notre question. Ah oui, mais si, si, regardez, non, par exemple... Non, mais c'est vraiment l'heure, regardez. Je vais même vous jouer du tambourin pour vous montrer à quel point l'heure est grave. Allez. C'est l'heure de la pause déjeuner, on ne discute pas. Mais il est 11h42. Le directeur a instauré quand même cette tradition depuis longtemps. On ne peut pas déroger à la règle, tout ça parce que vous voulez voir Bobby Michou. Mais c'est vous le directeur? Non, je suis John Fulgel. Ah oui, c'est vrai. Arrêtez avec ça. Mais pourquoi 11h42 et pas midi? Ou midi 10, midi 12? Pourquoi? Parce que les gens doivent forcément rentrer dans des cases? C'est ça votre vision de la société? Non, j'aurais pas dit ça, mais je trouve que 11h42, c'est peut-être un peu tôt. Mmh. Allez, non mais dépêchez-vous, en plus vous allez voir, la salle de pause est plus propre que le reste de la prison. Est-ce qu'au passage, je peux juste réitérer ma demande de queue de loutre? Alors, quand on a des idées comme ça, monsieur, on se les garde, monsieur Bobby Michou. Hein? Déjà... Et puis en plus, les loutres, c'est une espèce en voie de disparition. Je vous l'ai déjà dit 3 fois. Alors si vous venez avec une autre demande de macramé avec des queues d'autres animaux, on remplira un formulaire, hein, j'irai voir le directeur, et puis là, peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Pas forcément la queue, si nous mettez la tête, hein, c'est pas gênant. Mais on peut pas faire de macramé avec des têtes. Bon, c'est forcément des queues. C'est technique. Oui, oui, bah écoutez, je m'y connais, hein. Voilà, j'ai fait du macramé dans ma jeunesse. Eh bien, joyeux Noël. Mais moi j'ai toujours pas la réponse à ma question. Allez, dépêchez-vous, ça sonne. Oui, d'accord. Voilà, dépêchez-vous. Allez, suivez-moi. On se reviendra, Bobby Michou. Attention, parce que dans ce couloir, il n'y a pas de lumière, faut suivre le bruit du tambourin. C'est par là, à droite. Ouvrez cette porte. Ouais, vous tenez le bouton pendant qu'on ouvre. Eh, pour une première, t'as 2 personnages. Je ne suis pas du tout fou. Ok, est-ce que ça a été, déjà, John? Oui. Est-ce que tu t'amuses? Oui. Est-ce que les gens s'amusent? Parce que... Ah, c'est bien. On fait de l'habillage parce qu'en fait, je dois changer de palette. J'ai trop de bruitage. Il est en train de charger la... Sinon, vous allez bien? Vous avez bien dormi hier soir? Non. Moi non j'ai plus. Pas de pouvoir. Allez, je lance la 3e scène. Dans cette scène, nous avons Annabelle, nous avons Simona, nous avons Bobby Michou et nous avons à nouveau John... John, on sait pas quoi encore. John Fulgel. Ok, c'est parti.
Oh, j'ai besoin de 3 personnes du public. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire une voix en vitesse? Le jeu de la surprise. Allez, 2. Ah, bah Lola revient. Oh, mais quoi que t'es déjà passé. S'il y a quelqu'un d'autre? Au fond. Mais il y a la demoiselle à côté de Lola aussi qui a voulu. Ah, excusez-moi. Non, mais non, désolé. Elle a un bras court. Venez, madame. Venez, venez. On a vu un coude. Par contre, vous allez être très vite déçus, c'est vraiment une réplique, hein, chacun. Je vous laisse aller ici. On va c'est pas grave, allez-y. On va faire passer. Nous sommes dans la cafétéria de la maison d'arrêt. Simonin et Annabelle sont en train d'attendre dans une file pour se servir au self. Mais elle n'avance pas, les prisonniers commencent à scander « Le cuistot, le cuistot !» Et ça, c'est vous, pour faire venir le personnel. Allez-y. Le cuistot, le cuistot, le cuistot, le cuistot. Je trouve que c'est quand même vachement long hein, pour aller se servir. Tu trouves pas, Annabelle? Bah si, un peu, mais moi, j'ai pas faim. J'aurais bien aimé avoir la réponse à ma question. C'est une nouvelle fois le directeur avec un tablier qui prend place derrière le self. Il sert 3 personnes, et puis c'est au tour d'Annabelle qui lui demande des explications. Jean s'explique et indique qu'il manque de personnel, qu'il doit être multitâche. Il sert les 2 officiers de police. Les 2 vont s'asseoir sur une table et mangent. Il faut un commentaire sur la situation et il ne s'attendait pas à manger ici. Je te laisse servir nos auditeurs, John. Ah, bonjour, je suis Bob Riggin. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose, sachant que je n'ai que de la gencive de porc? Ah, si accent à prendre ça, hein. Oui, d'accord. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez avec comme accompagnement? J'ai que de la purée. Bah, purée. Purée, ouais. Purée gencive de porc. Ah oui, bah, c'est moi qui dois la faire. Ok. Parfait. Je reviens. Alors, le premier part. Deuxième détenu. Oui, alors, et vous? Est-ce qu'il y a des frites? Ben non, il y a que de la purée. Mais avec la purée, on peut pas faire des frites. Je sais pas si on fait des petits bâtonnets de purée, on les fait frire, ça fait des frites. Non mais on n'a pas le temps, vous voyez, on manque de personnel. Alors, par contre, je peux vous donner le choix. J'ai eau croupie, eau tiède, eau plate. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'eau croupie pétillante? Ça dépend un peu de votre système gastrique. Pétillante. Pétillante, eh ben démerdez-vous. Suivant. Est-ce qu'il est possible d'avoir un petit volcan dans la purée avec la sauce? Un petit volcan dans la purée. Ah oui, alors oui, ben voilà, ça vous pouvez faire. Ça c'est créatif. Ah oui, merci. Merci. Ah, merci. Voilà, enfin, et regardez les autres, prenez exemple. Un petit volcan dans la purée. Hein, ce n'est pas grand-chose, mais ça va vous amuser. Ça peut. Puis vous pouvez faire des formes aussi. Hein, regardez, elle fait une forme de chouette. Elle est partie. Alors, moi, je serais vegan, donc est-ce que je pourrais avoir autre chose comme purée? Non. Non. Sûr? Oui, oui. Ou alors vous n'en prenez pas et puis vous allez nettoyer la cour. Bon, bah, je prendrai au moins un eau propre, si possible. Oui, d'accord. Et maintenant, c'est à Simona et à Annabelle de se servir. Mais Jean, qu'est-ce que vous faites là? Jean? Bob Riggin, s'il vous plaît. Mais vous êtes le directeur, vous êtes le gardien et vous êtes le cuistot. Là. Vous avez vu, en plus, je joue de la flûte. Ouais, vous êtes multitask, hein, dis donc. Bah écoutez, hein, il faut ça par les temps qui courent. Alors, gencive de porc ou... Ou gencive de porc, alors j'ai avec ou sans sauce? Ben moi je vais juste prendre de la purée s'il vous plaît. D'accord. Et moi juste de la sauce. Bien. Eh bien voilà, bon, bah prenez une assiette, faut que vous alliez la nettoyer au lavabo. Ah donc en plus, ah d'accord. Bah oui mais vous n'êtes pas compté, vous arrivez comme ça, vous êtes, moi je savais pas que vous restiez pour manger. Hein. Bah, nous on a un certain nombre d'assiettes, un certain nombre de détenus. Vous arrivez là, vous avez pas d'assiette avec vous, hein, à moins que je me trompe. Bah non mais la purée vous l'avez mis dans mes mains. Donc. Bah oui mais vous allez pas vite non plus, fallait aller laver l'assiette. Oui bah du coup, Simonin va laver les assiettes pour qu'on puisse mettre la purée et la voilà. sauce dans... Après vous pouvez manger à main nue, hein, moi je ne juge pas. Non, ça, non. Moi juste un verre de sauce ça m'ira très bien. Voilà. Bah, vous voulez un verre alors? Oui. Bah, vous allez le laver? Oui, tout de suite. Tu peux laver une assiette aussi, s'il te plaît? Oui, j'y vais. Merci.
Ok. Bon appétit. Allez, j'ai coutume de jouer un peu de flûte pendant que pendant que les détenus se restaurent. Alors j'ai composé cette petite ode. Vous voyez, en fait, c'est pour la relaxation. Merci. Merci Jean-Bob John. Jean. Bob. Bob Regin, Bob, s'il vous plaît. Bob maintenant, oui. On se connaît pas assez. Hein, mais... Annabelle et Simona vont s'asseoir. Non, je vais trop vite. Oui, c'est ça. Oui. Bah, on n'a pas eu le temps d'aller s'asseoir. Oui, c'est ça, ils vont s'asseoir. J'ai pas lavé les assiettes. Et ça y est, tu viens de les laver. Merci Simona d'avoir lavé l'assiette, c'est gentil. De rien. Dis-moi. Oui. Tu t'attendais à manger ici ? Bah non. C'est quand même bizarre qu'on reste aussi longtemps, tu trouves pas ? Bah ouais, et on n'a pas de téléphone et pas d'armes. Pas de téléphone, pas d'armes et pas de réponse. Et puis le... Faut être quand même honnête, le directeur il est un peu taré. Un peu taré, et son jus de sauce là, il est pas fameux. Hein. La purée non plus, je te rassure. Bobby Michou arrive, menotté, accompagné du directeur, mais cette fois-ci en gardien. Il lui tient son plateau. Bobby demande à avoir un repas végé. Le directeur le sert, puis il le fait s'asseoir à côté d'Annabelle et Simona. Le directeur lui enlève les menottes. Annabelle demande si ce n'est pas risqué de le détacher. Simona s'étonne que Bobby mange végé. Bobby lui répond : tu m'improvises un truc débile. Allez, Bobby, suis-moi. Et arrête de résister à traîner les pieds. Ouais, j'ai l'impression d'amener un ours. Ouais. Bon alors, comme d'habitude, léger. Ouais, ouais, je veux pas un pet de viande, je veux du brocoli, des carottes, oui. Mais pas de chair. Eh bah t'auras de la purée. Je pourrais avoir un petit puits dedans, s'il te plaît. Ah, c'est vrai que, oui, manger sans les mains, faire un puits sans les mains. Ok, je fais un puits, mais c'est juste aujourd'hui, hein. Ah, cool, merci. Voilà, alors voilà, je fais le puits. Ça oh, m'énerve pas du tout. Oh, t'es vraiment une mère pour moi. Bien, ça sera tout, parce que j'ai d'autres détenus, hein, puis il y a les poulets. Il faut que tu l'emmènes l'asseoir et que tu lui détaches les menottes. Bien, alors tu vas te mettre là, hein, je te détache. Mais à la moindre incartade, j'appelle tout le reste de l'équipe de sécurité. Mais, c'est pas dangereux de le détacher comme ça à côté de vous ? Il a de la purée, ça ira. Okay. Bobby mange végétarien, tu vois. Si vous le dites. Tu manges végétarien ? Oui, je mange. J'ai fait une réaction, Bon, c'est. Trop de chair de différentes origines, J'ai dû me concentrer sur des légumes, principalement racines, parce que je faisais une allergie également aux pépins de raisin et aux queues de loutre. Je peux les manipuler avec les mains, mais je ne peux pas spécialement les sculpter. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de ne plus manger de chair de n'importe quelle origine. Ça m'a fait rétrécir de 2 tailles de pointures de chaussures, ce qui me fait revoir toute ma garde-robe, mais ce qui me rend beaucoup plus calme. J'ai l'impression que tu as les oreilles aussi qu'on maigrit. Oui. 7 kilos par lobe. Bobby Michou leur fait la conversation. Il leur explique qu'il se plaît beaucoup ici, que cette maison d'arrêt, dans cette maison d'arrêt. Il leur dit qu'il a réussi à trouver des avantages à être ici et que si un jour l'un d'eux se retrouve enfermé ici, il s'y plairait aussi. Simonin se moque de Bobby en lui disant qu'il va bien rester longtemps derrière les barreaux. Annabelle ignore leur échange et demande à Bobby s'il connaît un manoir de Corvidé vers le Lion d'Angers. Non, mais ça peut paraître un petit peu austère, c'est vrai, Mais finalement, on a quoi ? On a des gens qui s'occupent de vous tous les jours, ce que je n'avais jamais eu avant. On a les personnes qui font des petits puits dans notre purée, et puis on a des personnes qui viennent vous lire une histoire le soir. Et ça, c'est peut-être pas un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tu t'y plais, Bobby ? Bah, ça veut dire que j'avais jamais vu la vie par cette petite lucarne qui est la fenêtre de ma prison, et finalement je me suis concentré sur les choses essentielles, quoi, les légumes. Ouais. Eh bien, j'espère que tu vas apprécier manger des légumes pendant un bon moment, mon petit Bobby, parce que je pense que tu vas y rester un sacré moment. Bon, c'est pas le tout, mais on s'en fout de ce que vous êtes en train de dire là. Bobby, regarde-moi. Est-ce que tu sais quelque chose
perdu un manoir au lieu en danger. Bobby, Michou a compris. Il demande à Annabelle si elle ne serait pas une corneille. Si récemment elle n'avait pas découvert que son père adoptif était un corbeau. Simona fait le lien. Il se tourne vers elle, inquiet. Annabelle réfute. Elle a juste trouvé un document avec des noms. Elle sort le livre et, et montre le nom de Bobby Michou barré en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'est donc plus un corbeau ? Il a été banni de l'ordre ? Dis-moi, tu serais pas un drôle d'oiseau, par hasard ? Non. Je sais pas, l'attitude, quelque chose dans le regard... Je suis inspectrice de police. Ouais. Moi, je te verrais plutôt perché sur une branche. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux dire, et non, c'est pas vrai. Non ? Quoi ? T'es pas une corneille ? Non, je suis pas une corneille. Peut-être pas toi, je sais pas, je... Un lien de parenté, non. Ça se voit dans le sang. J'ai pas besoin de te goûter pour le savoir. Non. Annabelle sort un livre et lui montre... Oui, j'arrive, ça, deux secondes. Excuse-moi, on a un timing. Ouais, bah... Non, je suis pas une corneille. Par contre, je veux que tu m'expliques ça. Regarde. Bobby Michou rayé en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que t'es rayé de l'ordre ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te remplacer ? Je veux que tu m'expliques ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un reveut de la sauce sur sa purée ? C'est dans ta fiche, hein, tu peux. Bobby s'énerve d'un coup, Simonin se lève et prend son arme. Mais il se rend compte qu'il l'a plus sur lui, il a oublié qu'il l'a confié au directeur. Moment gênant, Bobby se lève aussi et demande à Annabelle de lui répondre. Elle craque et lâche tout ce qu'elle a découvert récemment sur sa famille. Vous êtes venu pour péter ma sérénité, c'est ça ? Hein ? Moi, je suis bien avec mon petit puits, ma petite purée, ma petite sauce. Et tes histoires du soir aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Hein ? Ouais, on sait ce qu'on sait, et puis on entend ce qu'on entend, puis on peut croire ce qu'on peut croire. Mmh. Enfin, dans peu importe l'ordre. Mmh. Quelqu'un revient de la purée, il y a du rab. Non, d'accord, dites qu'elle est pas bonne. Bobby s'amuse de la situation et rassure Annabelle et Simonin. Il n'est plus un corbeau, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin, loin de là. Simonin s'inquiète de cette révélation. Bobby indique que maintenant, il fait cavalier seul. Il se lève et s'adresse à toute la salle en demandant l'attention de tout le monde. Est-ce que je peux, pardon, excuse-moi Richard, mais j'ai pas eu le temps de raconter ce que j'ai appris, etc. D'accord, excuse-moi. Non, c'est pas grave, c'est pour toi. Parce que du coup, je suis censé raconter à Simonin. Ça s'appelle de la censure. Excuse-moi. Vas-y. Après, moi, je veux bien. Non, vas-y, excuse-moi. Simonin, sors ton arme. À terre, Roby. Bobby. Michou. Simonin, t'as pas d'arme. Non, Bob, c'est moi. À terre, Bob. Non plus. Non, bah. Mais, bon, qui se met par terre ? Parce qu'il faut qu'on s'organise. Moi. Pardon. Simonin, mais lève-toi, arrête de rester par terre. Tu vas répondre à ces deux questions, Annabelle. Quoi ? Je suis bien par terre. Ton père, tes origines... Mon père est mort. Ma mère s'est remariée. Et oui, ok, d'accord. Et vous êtes 15 jours, ou comment vous... C'est pour le cartable, c'est souvent difficile de... Mais non, mais il est... Mon père est mort, du coup j'ai pas de deuxième garde, y'a que mon père et... Enfin, y'a que ma belle... ma mère et mon beau-père. Ouais. Puis, de toute façon, je suis majeure, j'ai plus de garde, en fait, y'a plus de... Bref, oui, ok, d'accord, j'ai trouvé la cabane, j'ai trouvé la bibliothèque cachée, j'ai trouvé les livres de mon beau-père, donc j'ai trouvé tout ce que Arsène a laissé derrière lui, okay, oui, j'ai trouvé, oui, mon beau-père est une corneille, ou un cormoran, ou un corbeau, je sais plus, je m'en fous, pourquoi est-ce que ma famille est dans cette histoire ?
Bobby s'amuse de la situation et rassure Annabelle et Simonin, il n'est plus un corbeau, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin, loin de là. Simonin s'inquiète de cette révélation. Bobby indique que maintenant il fait cavalier seul. Il se lève et s'adresse à toute la salle en demandant l'attention de tout le monde. Oh mais... Oh, calme-toi. Calme-toi. Non, je me calmerai pas, je veux des réponses à mes questions. Annabelle, tu me marches dessus. Mais t'as qu'à te lever aussi. Je sais pas si je peux. Je ne suis plus un corbeau. Okay, tu peux te détendre. Donc tu peux répondre à ma question. Je peux également t'expliquer autre chose. Je ne suis peut-être plus un corbeau, mais c'est pas pour autant que j'ai décidé d'arrêter mes activités. Comment ça, Bobby ? J'ai créé une petite auto-entreprise, quelque chose que je souhaiterais présenter à l'ensemble des personnes qui sont là. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, est-ce qu'on peut poser sa cuillère ? Est-ce qu'on a fini sa purée ? Tu veux bien en parler, parce qu'en dessert, il y a du yaourt. Le public, vous pouvez participer. Il a le contrôle sur toutes les personnes présentes dans la prison. Ils répondent tous mollement. Oui, Bobby, Michou. Comme si on leur avait enlevé toute leur énergie. Seuls Annabelle et Simonin ne semblent pas affectés. Simonin comprend aussitôt. La nourriture de la prison, c'est une fabrication de Bobby Michou, c'est de la quatre pâtés. Annabelle ne comprend pas. Simonin donne des explications très rapides sur ce qu'est la quatre pâtés. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Bobby Michou. Et comment elle est, ma purée ? Elle est pas bonne, ma purée ? Oui, elle est bonne, Bobby Michou. Qu'est-ce qui se passe ? Annabelle ? Oui. La purée ? Quoi ? C'est de la quatre pâtés ? La quatre quoi ? La quatre pâtés, c'est ce qu'a fabriqué Bobby. C'est une pâtée qui rend tout le monde totalement inoffensif. Non, j'ai cru que t'allais dire que tout le monde con, mais j'allais dire en même temps ça change pas d'habitude, mais... Inoffensif, con. D'accord. C'est pas incompatible. Oh non, je sais. Bobby demande au directeur de lui donner son arme. Le directeur s'exécute. Bobby pointe le pistolet sur Annabelle et lui indique qu'elle va devoir le suivre. Puis il demande à ses sbires d'enfermer le directeur et Simonin dans une cellule. Il les quitte en leur indiquant que tout se passe dans les temps et qu'il ne peut pas rester plus longtemps avec eux sous peine de rater son train. Il part en riant aux éclats alors que Simonin se débat pour finir. Les prisonniers et le directeur scandent le nom de Bobby. Bob ou John, je ne sais plus ton prénom. Ton arme ? Oui, Bobby Michou. Non, lui donne pas ton arme. Mais non. Non. Mais et avec non. Le sourire. Je lui donne cette arme, en plus, ce n'est pas la mienne, c'est mais la vôtre. Mais non, mais. Ah, 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 ah. Ah. Non, 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 non. Baisse ton arme. Ah. Non, ce n'est pas. Tu peux pas dire ça. C'est ton arme à toi. C'est interdit. Mais je leur avais pris dès lors. Je sais, mais on en a besoin plus tard, s'il te plaît. Ok. Il a tout pré-shot. On y retourne, tu donnes ton arme. Oui, Bobby Michou, tiens, la non, voilà. Mais lui donne pas ton arme. Mais merci, bon petit bonhomme. Je fais ce que je veux, c'est moi le directeur. Non. Allez, on ne bouge plus, on se détend. Il y a un petit rapport de force qui s'installe. Oui. Vous allez devoir me suivre maintenant. C'est beau de fanfaronner comme ça sur les lieux de mon emprisonnement, mais maintenant c'est moi qui commande. Oui, Bobby Michou. Hein ? Alors, les mangeurs de purée, on est toujours à l'écoute ? Foutez-moi celui-là, et aussi celui-là, le petit, là. Vous me les foutez en cellule. Non. Simonin, non. Lâchez-moi. Je peux prendre ma flûte en cellule ? Non, pas la flûte. Peu importe. Non. Et joue très fort. Et tu t'en vas, avec Annabelle. Ouais. Toi, tu vas me suivre. D'accord. Toi, tu vas me suivre. De toute façon, j'ai pas le choix, t'as une arme. Ouais, et puis tu vas la fermer aussi. Ouais, bah alors... Ouais. Non. Ok. Il va falloir vraiment qu'on accélère. Hein. Ouais. Dans cette scène, j'ai besoin de Simonin et de John. Oui, Bobby Michou. Et Thorak. C'est reparti.
Le directeur et Simonin sont dans une cellule. Le directeur reprend peu à peu ses esprits. Le directeur ne comprend pas ce qu'ils font dans une cellule, tous les deux menottés. Simonin lui explique sommairement les infos que Bobby a données, la nourriture empoisonnée, la prise d'otage d'Annabelle, la fuite de Bobby vers la gare d'Angers. Le directeur réagit à toutes ces infos qu'il découvre au fur et à mesure. Simonin conclut qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'ils vont moisir tous les deux dans cette cellule. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que... Vous êtes toujours là, vous? Oui, et vous? Mais pourquoi on est à l'intérieur de la cellule? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah justement, j'aurais bien aimé savoir. Hein. Et pourquoi j'ai ma flûte? Ça, j'aimerais je ne la sors que quand je suis en cuisine. Il faut se dire que peut-être il s'est passé quelque chose en cuisine et qu'on se retrouve ici. Ben oui, mais moi je me souviens de pas. Je servais des gencives de porc et puis l'instant d'après, je crois que j'ai parlé des yaourts. Et qu'est-ce qu'on fait là? Moi j'étais en train de lécher le sol par terre et d'un coup je me retrouve enfermé dans la prison. Mais il me semble... Non, toi t'as tout vu. Hein. Ah oui, moi j'ai tout vu. Ouais, t'as tout vu. Ok, d'accord. En fait, c'est Bobby. Bobby Michou. Bobby Michou. Il a en fait servi une purée qui est en fait de la cat pâtée. Ah, mais c'est pour ça qu'il voulait aider en cuisine. C'est la cat pâtée, en fait, ça zombifie un peu tout le monde. Et après ça, il a emmené Annabelle. Il l'a menacé et il l'a emmené avec lui. Et après, il est parti. Il a dit qu'il partait vers la gare d'Angers et prendre le train. Et après, il a rigolé très fort, comme ça. Il est parti. Et il vous a enfermé. Il va falloir que j'en parle à Bob et John. Ah, oui, je peux leur raconter. D'accord. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez les clés? Non, j'ai rien. J'ai pas les clés, j'ai pas mon arme. J'ai rien, j'ai plus rien. Je crois qu'on est fini. Bob, John ou Jacques, j'en sais rien. Oh. Jean n'est pas de cet avis et demande à Simonin de fouiller dans ses sous-vêtements. Il a un passe-partout secret. Simonin l'attrape et parvient à enlever leurs menottes. Jean propose à Simonin de s'enfuir le temps que les prisonniers sont encore dans les vapes. Simonin accepte. Attends, c'est les sous-vêtements de qui ou... Les tiens. Ok. Non mais c'est important. Ah, c'est perdu. Bon, on va pas rester là. Hein, bah, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire. On va pas rester là. Non, mais j'avais prévu cela depuis 64 ans que je dirige cette prison. Normalement... Là, si... Oui. Bon, moi je peux pas y accéder hein, parce que c'est en cas d'extrême nécessité. Vous allez... mettre la main dans mon pantalon. Oui. Sur le côté à l'arrière de mon caleçon, normalement, vous trouverez le passe-partout 752B. Ah. Hein, c'est un modèle spécial et il devrait nous faire sortir d'ici. Attends, bougez pas. Non. Ici. Non. Allez. Vous avez les mains froides. C'est un peu moite ici. Hein. C'est pas ce côté-là. Pardon. Par là. Ici. Non, pas là. Là. Oh non, pas là. Non, pas là du tout. Ah, j'ai un truc. C'est là. Voilà. Donnez-le-moi. Oui, tout de suite. Merci. Allez. Eh bien, on va ouvrir par là. Tenez cette flûte. Oui, et tout de suite, oui. N'en jouez pas, hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, Jean, tu proposes que vous vous enfuyez le temps que les prisonniers sont dans les vapes. Bon, on va profiter de ce moment de flottement. Regardez, dans les cellules d'à côté, ils dorment. Oui, okay, c'est vrai, ils ont l'air assez amorphes. Moi, je propose de courageusement prendre la fuite. Et ensuite, on avisera. Je suis d'accord d'aviser et ensuite, on prendra la fuite. Oui, ou dans l'autre ordre. Ou dans l'autre ordre, ça marche bien aussi. Donc il s'enfuit. Il a le tambourin. Une fois dans le couloir, Jean emmène Simonin dans la salle de stockage pour redonner ses biens à Simonin. Ils entrent dans la salle. Jean lui indique où se trouvent ses armes et son portable. Il lui demande de l'attendre. Il va chercher un truc dans son bureau. Allez, allons-y, vite, oui, c'est par là. Okay. Bon, prenez votre matériel est là, dans le tiroir, là, celui-là. Okay. Super. Vous prenez ça, vous m'attendez ici. Oui. Parce que j'ai besoin d'aller chercher quelque chose et c'est très important. D'accord, très bien. Hop, trop haut. En attendant, Simonin passe un appel vers le commissariat et explique la situation à son collègue.
Bobby Michou s'est échappé de la prison, il a pris en otage Annabelle, il va s'enfuir en prenant un train. Il demande de l'aide pour l'arrêter, puis il raccroche. Oui, allô ? Oui, allô, commissariat d'Angers. Oui, 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 c'est Simonin. C'est Simonin. Oh, Simonin, comment tu vas ? Non. Bobby Michou s'est échappé. Bobby Michou s'est échappé vers la gare d'Angers. Quoi ? Il a Annabelle. Il a Annabelle en otage. Ok, je l'appelle toutes les patrouilles. Attends. Non. Prends note. Vas-y. Gare d'Angers, Bobby Michou. Ouais, Annabelle. Otage. Il y a un ou deux N à Annabelle ? Trois. Trois, ok. Annabelle. Deux devant et un après. et du coup, tu. Tout le monde. Tout le monde. Tout S, tout T. Tout T-O-U-S. T-O-U-S ? Oui. Tout le monde. Tout le monde. Ok, oui. je vais chercher tout le monde. On va bloquer la gare, y'a pas de problème. Ok, je me dépêche, je vous rejoins là-bas. Ok, ça marche. Jean revient déguisé avec une tenue rayée de prisonnier très cliché. Simona l'engueule et lui demande vraiment si c'était le moment approprié pour ça. Mais Jean répond que oui, c'est la première fois qu'il peut se permettre de porter ce costume du fait qu'il s'évade de sa propre prison. Simona est dépité. Bon, allez, vous êtes prêts ? Ouais. On y va. Mais qu'est-ce que vous foutez habillé comme ça ? Ah bah je suis Joe la Terreur, je m'échappe de la prison. Non mais... C'est pas possible, c'est ça le truc important que vous vouliez absolument chercher. Quoi, il vous plaît pas ? Il est pourtant réglementaire ce costume de prisonnier. Oui, je l'ai acheté au Texas. Mais c'est vrai qu'on ressemble plus à la prison des années 50. Voilà. Oui, bah c'est un du Texas, c'est un vrai. Hein. Il a coûté cher. Ah oui, je suis pas ça. Mais je vois pas le rapport de mettre ça maintenant et. Mais on s'échappe de la prison, c'est important. Joe la Terreur a besoin de s'échapper. Il a son sidekick, c'est vous. Ah oui. Et on y va. Eh bien, bah, allons-y alors. Voilà, alors prenez ce chausse-pied en tungstène aussi. Ah oui. Pourra oui. peut-être nous servir. Ah, et ce lasso, oui. Je l'ai acheté aussi au Texas. Oui, ok, d'accord, mais je prends ça aussi. C'est allez, tout suivez-moi. Oui, c'est tout. Oui, je vous suis. Le passe-partout devrait nous permettre de sortir. Dernière scène. Et dans cette scène, je vais avoir besoin de Simon, de John et de Thorac, à côté de moi. Désolé. Pas de soucis. Boris, je vais avoir besoin que tu bouges. Excuse-moi. Bah, écoute, faudrait peut-être louer un engin, mais... Désolé. Je m'en vais loin, je vais comment ? Tu veux que j'aille où ? Oui, va. De l'autre côté de la porte, dehors, ok, très bien. C'était aussi ta dernière scène, désolé. Allez, va-t'en, criminel. C'est fini pour toi, désolé. Bah, bisous. Au revoir. Reprends un peu de purée. Simonin et Jean arrivent dans la gare. Dépêchons, allez ! Oui, je suis. Voilà, il y a peut-être un train. Il court vers le seul train à quai. Simonin court à toute vitesse et il distance Jean. Mais c'est trop tard, le train vient de fermer ses portes et il part avec Bobby et Annabelle. Simonin seul réagit à cet échec. Allez, mais dépêchez-vous ! Mais qu'est-ce que vous avez dans les chaussures, là ? Oh là, mais je vais pas vous garder dans l'équipe. Hein. Allez, on monte, là, regardez, il y a le train en direction de Grand Gognan la Ritournelle. Allez! Vous êtes de plus en plus loin! Bon, je monte, hein! Allez! Non! Mais qu'est-ce que vous êtes mou? Annabelle! Ah, c'est pas possible, pas encore! Pas une nouvelle fois! Alors, pour le coup, Jean, tu n'es pas dans le train, toi, t'étais à l'arrière. Ah, d'accord. Il t'a distancé. Ah, merde! C'est pas grave, t'inquiète. J'avais compris l'inverse. Ah, bah, je vois ça! Tout d'un coup, un homme court vers Jean, qui arrive derrière lui, et le plaque à terre. C'est le collègue de Simonin qui l'arrête. Il est convaincu que c'est le fugitif que Simonin lui avait indiqué. Jean essaye de s'expliquer, mais c'est bancal et sa tenue ne l'aide pas beaucoup. Finalement, il demande de l'aide à Simonin en criant son nom pour qu'il vienne expliquer la situation. Tu arrives. Ah merde. C'est bon, je l'ai. Mais lâchez-moi, débile. Les mains derrière le dos. Mais je fais ce que je veux avec mes mains.
Allez, hop, les menottes. Allez, mais en plus, mais vous êtes un agent de la paix, mais qu'est-ce que c'est que cette Bougez histoire? Bougez pas. Mais si je bouge, je pourrais ce que tu veux. Ah, mais aïe. Non, ça c'est mon cul. Et ça c'est ma matraque. Ah. Mais Simonin, Simonin, faites quelque chose, vous voyez bien que cet abruti m'a arrêté. Ok. Ok. Je suis bien sensible. il faut que t'appelles Simonin, ouais. Essaye là. Ok. Ah bah, Simonin. Ah, mais Simonin vient à sa rencontre. Jean redonne les explications à l'agent et demande de confirmer. Il demande si c'est bien au final. Tu donnes tes explications comme quoi t'es le directeur et tout ça. Ouais, ouais. Et à la fin, le policier demande si c'est bien la personne que Simonin cherchait. Mais vous allez me lâcher, je suis le directeur de la prison. C'est bon, Simonin, c'est bien celui-là que vous cherchez. Non, c'est lui, c'est le directeur. Enfin, c'est John. Ah, pardon. Alors. Bon, tout à l'heure, j'étais Joe la Terreur, mais là. Attends. Thorak, j'ai besoin que tu me dises exactement c'est bien la personne que vous recherchez. Ok. Et tu ne réponds pas, Simon. Ok. C'est reparti. C'est bien la personne que vous cherchez ? Alors que Simonin allait répondre, il perd tous ses moyens. Il regarde quelqu'un loin et répond ébahi. Oui, c'est bien la personne que je recherchais. L'agent n'attend pas et emmène Jean en garde à vue. Celui-ci essaye de ramener Simonin à la raison, mais cela ne fonctionne pas. Oui. Oui, c'est bien la personne que je recherchais. Mais absolument pas. Allez, c'est parti, en cellule. Non, mais non. Ce costume, c'est un costume. C'est roleplay, vous comprenez pas. J'étais Joe la Terreur, mais maintenant c'est fini. En plus, la poursuite a échoué. Lâchez-moi. Ah, mais tenez-vous tranquille. Ah, aïe, yo. Mélodie et Dany viennent à la rencontre de Simonin et lui demandent si ça va. Salut Simonin. Mélodine. Comment ça va? Ça va. Dany. Ça fait longtemps? Ça fait beaucoup là. On est que deux. Oui, mais c'est deux de beaucoup pour moi. Ok, on fait un petit débrief. Est-ce que John, t'as kiffé? Je pense, ouais. Devant le micro, s'il te plaît. Je pense que c'était sympa. Ok, t'as aimé jouer plusieurs personnages et tout ça? Oui, c'est un truc totalement nouveau pour moi. Je t'apprendrai, t'inquiète. Simon, ce personnage qui est revenu d'un an et qui a enfin retrouvé ce qu'il cherchait. C'est touchant. Ça va ? Je suis touché. Ok. Annabelline, cet épisode. Ouais. Ça fait un mois, même un peu plus, qu'elle me dit je vais mourir. Non, alors il faut savoir que ça fait 6 mois que Richult me dit que je vais mourir à un moment donné. Du coup, moi je pense que je suis morte ou je suis pas morte. On ne sait pas, tu n'es plus là. Ok. Dany, Mel, c'est cool de vous revoir. Bonjour. Vu de la lumière. On a vu du monde, on est rentré. C'est ça, vous êtes revenu à Angers, enfin. Oui. Parce que Dany, tu n'étais pas forcément là, mais ton personnage est allé à Rouen. T'étais avec moi à Rouen, tu le savais pas. Hein. C'était ça, la voix rauque un peu là. Ouais, oui, c'est ça. Ok. Et Boris. Ok. Et Boris. Moi, c'était bien. Un peu et en Boris. Stress et tout ça. Ah, c'est le méchant, on s'en fout. Je vais faire vite. Boris. Et Boris. Oh, excuse-moi, mais t'es parti. Boris, avec nous. Boris. J'ai amélioré mon régime alimentaire, ce qui me permet d'avoir un teint déjà beaucoup plus en santé. Oui, et puis t'as maigri aussi, ton personnage a maigri. Oui, le personnage. Oui. Ce que j'apprécie fortement. Merci, Richard. Ok. Y a un message? Non. Ok.
Pour le coup, si jamais il y a des personnes, mais ça m'étonnerait, qui ne te connaissent pas, John, Pen of Chaos, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Ah, sur Internet, bah, sur mon site qui n'a pas bougé de place depuis 1998. Okay. Penofchaos.com. Penofchaos.com, ok. Et naulbuck.com aussi, où je distribue le jeu de rôle gratuit Naulbuck. Tout à fait. Ok. Boris, où est-ce qu'on peut te retrouver? Il me semble que tu es peut-être encore à la radio, non? Ah, plus trop maintenant, mais ça et là parfois, au Joker's Pub parfois. D'accord. Avec les expressos notamment. Ah, ok. Ça peut arriver. Alors, les expressos, si tu peux expliquer aux gens. C'est une troupe d'improvisation avec laquelle je joue parfois. D'accord. Donc là, mais je suis un peu plus dans l'ombre en ce moment. D'accord. Simon, où est-ce qu'on peut te suivre? Dans mon jardin, sinon. Ne suis pas jusqu'à chez moi, s'il vous plaît. Non, moi, nulle part. Ok. Voilà. Annabelline, Anso, on peut te suivre où? On va parler d'une autre troupe. Oui, je sais. Alors, Richoult vient de dire parle d'une autre troupe. Du coup, je vais faire concurrence aux expressos et on peut me retrouver. Enfin, on peut nous retrouver les zygomatiques à Angers, dans différents endroits. C'est il trop me semble bien. Qu'on a un spectacle. Il y a plein de cœurs dans le public. du coup, il me semble qu'on a un spectacle le 29 avril quelque part, mais je sais plus où. Donc, allez sur les réseaux sociaux, les zygomatiques. Alors, c'est pour le public là parce que l'épisode va sortir fin mai. Et puis inscrivez-vous dans les troupes d'impro en général. Exactement. Dan, où est-ce qu'on peut te suivre? Exactement. Peut-être sur Internet. Ok. Tu fais des streams de temps en temps, non? Ça pourrait reprendre. Ok, d'accord. C'est Dan Bergen, c'est ça? Ouais. Okay. Mais voilà. Ok. On va faire le tirage au sort, puisque normalement, des gens ont participé pour gagner. Il y a un QR code. De quoi? J'ai oublié quelqu'un. Est-ce qu'on peut suivre la personne oui, qui est derrière moi quelque Mel, part oui. non, mais si, elle a raison. Il y a trop raison. De gens. Mel, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur jabrasse.fr, évidemment, et sur twitch.tv/melectrique. Ok. Des petits streams. Moulatrique, c'est ça. Ça, c'est le soir très tard. Pardon. Très joli, très apprécié à Cancale. Tout. Ah, bah dépêchez-vous. Parce qu'il y avait des trucs à remplir et tout ça. Mais ça se trouve, il est flou. Ok. Speech de fin. C'est pas dans l'ordre, mais oui, pourquoi pas. Ça va le faire. Tes émotions t'ont senti, Richard? Oui. Speech. Ouais. En tout cas, vous avez été un public formidable, sachez-le. C'était moi, le 1. Et pendant que Richou est. C'est bon, t'es prêt? C'est bon, je suis prêt. C'est la fin de cet épisode, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant team Javras tout attaché. Et je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni, à savoir l'organisation d'Angers Geek Fest, en particulier Mallory qui nous a fait confiance et qui nous a laissé faire un épisode avec Pen of Chaos. Merci beaucoup Angers Geek Fest. Ah, super. Un merci à Waza qui a relu les slides, il n'y a pas de faute normalement, notez-le quand même. Un merci aussi à KJ pour la composition musicale, je sais pas si tu as remarqué Poc, mais on a fait des covers de certaines de tes musiques. Il y a plein de trucs, c'était marrant. Ouais. Le maître du jeu pour l'aide à l'écriture du scénario de cet épisode, vous pouvez découvrir son podcast Les Porteurs du Ragnarok. Thorak, mon figurant, Loremlo qui s'occupait de la caméra. Je tiens aussi à remercier nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Vous êtes une soixantaine à nous financer avec au minimum 1€. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire des épisodes de la mémoire à Angers. Donc si vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre et nous soutenir, parce qu'on en a besoin pour lancer potentiellement une saison 2. Je tiens à remercier aussi mes auditeurs tests réguliers qui me font des retours sur chaque épisode. Je pense à Maëlys, Louise, Marion, Étienne, Marine et Nanou. Merci à tous. Topette.
Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à Tobini, Meringue à l'Orange, Ekaterina, Nina, Pevert, Nicolas, Miyakus, Mr. Badger, Sashiro, Highway, Calwin, Lorpel Paper Noir, Monololo, Zenigata, Yoti, Claxus, Laurent Doucet, Thomas, Titus, JPPJ, Flaming Fox, Johan Laurent, Nana, Jeff, Benjamin Baudu, Mélina, Laura Allard, Cécilux, Gridette, Duc Goéland, Gary, Lia et Vlad, Emilia Mazé, Yuri Charbonnel, Mineroll, Yarn, Léo Whitelighter, Gandan, Nfle, H2Os, Gillick Lee, Richout, Stan Legris, Lérian, Kat, Orchidée Choucroute, Thomas Le Cavalier, Jean-Marie Poincelet, Herminic Bian, Lindex, Elana, Miskami, Yuki, Ningario, Anya Kristen, Capoué, Raven Harley, Arthur Melchior, Melectric, Lord Purple Peignoir, Goose37FR, Dafmot, Gaxune, Marie Holmes, Elmorel, Clémency et Socoline. Vous nous aidez énormément, merci infiniment. Si vous avez aimé La Mémoire Angers, n'hésitez pas à partager et à commenter notre feuilleton, voire même mettre 5 étoiles, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Moi j'aimerais qu'on recommence parce que je me rends compte que j'ai pas cité mon grand-père que j'ai jamais connu. Et j'ai pas eu le temps, alors il faudrait qu'on recommence, merci. Non. John, j'ai besoin que tu me donnes un chiffre entre 1 et 18. Alors, si je lance un dé, ça donne 12. Est-ce que nous avons une Charlotte? Tu as gagné un jeu dédicacé de Pen of Chaos. Félicitations. Bravo. Je te laisse. Un jeu d'une valeur de 50 euros qui est offert par notre partenaire, la Guilde des Joueurs à Angers, qui est dédicacé par Pen of Chaos. Et pour tous les autres du public, vous avez droit à un badge de John, du personnage de John, qui est offert sur la petite table. Oh, mais c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Merci. Ouais, merci à toi, merci Richou. Merci, Richou. Ouais, c'était cool. Et puis moi, j'avais jamais fait d'impro de ma vie, en fait. Donc, Non, c'est vrai. Bah non, moi je fais que des trucs écrits. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.